Franchement, allez-y, pas grande distance. Les positions du joueur extérieur, pied gauche en avant, pied droit derrière. Plus grande distance, Mana, plus grand, on dit, allez-y, hop. Nous sommes en Afrique, il ne faut pas l'oublier, à l'Équateur. Le premier des trois entraînements quotidiens se déroule le matin et il fait déjà plus de 40 degrés. Tout le monde accepte ce régime de forçat sans broncher. Pas un seul instant, nous n'avons entendu la moindre protestation. C'est peut-être la bonne méthode car le moral de l'équipe n'a jamais été aussi élevé. Même le Brésil, le champion du monde, ne donne aucune inquiétude à Kakoko, l'ailier gauche. Je pense pour nous rencontrer le Brésil, je pourrais vous dire que le Brésil joue à peu près comme nous les Européens nous jouons. Je crois pour le Brésil, vraiment, il y aura quand même, nous ferons un bon match. Nous allons les surprendre, parce que toutes les grandes équipes là disent que le Zaïre, c'est une équipe, c'est rien. Mais en tout cas, nous vous assurons vraiment, nous ferons des surprises. Donnez-moi un score comme vos camarades. Non, c'est pas le score, mais c'est disons, que ce soit 1-0, 2-0, c'est la victoire. L'après-midi, on remet ça au grand stade de Kinshasa transformé en étuve. C'est l'après-midi et il fait 50 degrés. Cette fois, les joueurs ont le droit de tâter du ballon. Mais Vidinic n'est pas loin, il va reprendre tout son petit monde en main et imposer de nouveau sa férule. Calambay, un petit peu à haut, un petit peu derrière. Essayez de maîtriser un petit peu le ballon. Toute l'équipe est placée à la même enseigne. Défenseurs ou attaquants, tous doivent se plier à la même discipline de fer de M. Vidinic. Mouvement répété 10, 20 fois, comme à la parade, jusqu'à complète satisfaction de l'entraîneur. Là encore, toute initiative personnelle est proscrite, on écoute et on exécute. Arrivez ici. Ok, à pleine vitesse. Les passes entre les jambes. S'il vous plaît, maintenant, c'est le travail double. Les joueurs qui possèdent le ballon, ils travaillent et en même temps, les groupes de 7 personnes obligées pour ouvrir les jambes à un moment qui décident pour passer ce ballon. Et le ballon, il recevra toujours le dernier joueur. Allez-y. Même quand on n'a rien compris, il faut faire semblant de comprendre, car Vidinic ne répète jamais deux fois les mêmes ordres. Quant au gardien de but, il a droit à un régime spécial. Mais quel régime? Les autres joueurs n'ont rien à envier à Kazadi, le gardien titulaire. Le meilleur gardien de but d'Afrique est soumis à un bombardement en règle pendant des heures, toujours par une température insupportable. Il y a un autre qui n'est pas mal, lui. En de rares occasions, l'entraîneur a laissé à ses hommes la bride sur le cou. On a redécouvert alors toutes les qualités inhérentes aux joueurs de race noire. Virtuosité, technique, souplesse. A cet égard, Kakoko, Kembo, Kibonje, Mayanga, Ndai, pris individuellement, sont des joueurs de première force. Quant à la défense, c'est une affaire de famille. Vanga, l'arrière central, numéro 1 en Afrique, est le frère cadet de Kazadi, le gardien de but. Bien entendu, leur entente est parfaite, c'est le point fort de l'équipe. Reste à savoir si cette entente se manifestera aussi au niveau de l'ensemble de la formation.
Kidumu, le capitaine, n'en est pas convaincu. Les jeux collectifs comme tels, il n'y en a vraiment pas, mais il y a des individualités. Un pronostic, cette fois-ci, pour Zaïre, Yougoslavie. Je suis optimiste, ouais. Ça veut dire quoi, ça? Un score, allez, n'hésitez pas. Si pas un 0, en tout cas 2-1. Toujours pour Zaïre. Oui, on va tout faire. Faire match nul ou gagner, mais perdre, je ne crois pas. Le soir, un troisième entraînement est prévu, car la première rencontre du Zaïre se disputera en nocturne contre l'Écosse. Bien qu'il fasse nuit, la température se situe encore autour de 30 degrés. Ce n'est donc pas une partie de plaisir. De toute façon, avec Vidinic, ce n'est jamais la joie. Maintenant, nous formerons les groupes avec un seul ballon. C'est Kidumu, Ndai et Vumayanga. Partez à droite et formez un groupe de trois. L'Écosse, le plus faible, pense-t-on, des trois adversaires du Zaïre. C'est pourtant l'Écosse qui aura la mission de remettre les choses en place et d'interrompre le rêve de Mayanga. Nous sommes prêts, en tout cas nous sommes prêts. Nous ne craignons aucun adversaire là-bas. Je vais vous demander à vous un pronostic pour le premier match, Zaïre-Écosse. Pour le pronostic, vraiment je ne sais pas si vraiment l'Écosse nous minimisait, parce qu'il paraît qu'il minimise l'équipe Zaïre. Ben alors il y aura du surprise pour eux, hein, franchement. Tout le monde est persuadé que les Léopards vont faire un malheur à Munich. La presse se charge de survolter la population et de lui faire croire à l'invincibilité de ses joueurs. Le Zaïre se voit déjà champion du monde. Il est vrai que nous sommes en Afrique et que les fétiches font partie de la vie quotidienne. On croit facilement au miracle en Afrique. Seulement voilà, les miracles sont rares en football, à plus forte raison en Coupe du Monde. Les Léopards se réservent certainement des lendemains qui déchantent. La Zambie ou l'Égypte, ce n'est pas l'Écosse, la Yougoslavie ou le Brésil. Les grandes formations européennes et sud-américaines possèdent un bagage que le Zaïre est encore bien loin d'avoir acquis. Le manque d'expérience, la méconnaissance des ficelles du métier, le rythme de la haute compétition seront des handicaps insurmontables, même si les Kidumu, Kembo, Mayanga, Kakoko, Vanga, Kazadi sont des joueurs de talent. Et puis enfin, l'entraîneur yougoslave, de par ses méthodes autoritaires, n'a pas su créer l'ambiance chaleureuse qui doit régner au sein d'une équipe de football. Le football, c'est un jeu. Vidinic l'a oublié, il ne voudra jamais l'admettre, il a bien trop mauvais caractère. Vous n'êtes toujours pas d'accord pour une interview, je crois, n'est-ce pas? Mais je suis fatigué, moi, oui. C'est impossible. Vous et les joueurs? Ils sont venus ici, je l'ai. C'est la seule raison. C'est ce ancien truc que vous voulez faire maintenant avec moi. Je vous dis que je suis fatigué, c'est impossible que je vous accorde d'interview. C'est même tout. Quand on est fatigué, on peut parler oui, je suis un fatigué. Petit peu. Voilà, capitaine, il est là, s'il vous plaît. Mayanga et Kakoko. C'est votre dernier mot? Oui, oui. Équipe du Zaïre, clap de fin. Voilà, à défaut d'avoir une équipe de France, nous aurons la maigre consolation de voir évoluer deux équipes francophones. Tout cela nous promet quand même de belles heures de football et puis peut-être aussi de belles heures de télévision. P-Square.